Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui est vraiment bien de saison. C'est l'oracle de l'éclosion printanière. Alors j'ai déjà dans la même collection l'oracle de la douceur hivernale que vous avez dû voir dans mon vlog sur Noël. Donc pour ceux qui voudraient rechercher, vous avez dû le voir, j'en ai pas fait de présentation complète. Vous me direz si ça vous intéresse, mais je la ferai plutôt pour l'hiver, je pense. Donc c'est vrai que au moment de l'hiver, j'avais pas eu trop le temps de faire ça parce que j'avais tourné tous les vlogs de Noël déjà. Et puis c'est une période chargée pour moi professionnellement. Et donc je me suis procuré cet oracle de l'éclosion printanière. Je dois dire que au départ je ne savais pas trop, puis j'en ai vu une présentation et j'ai craqué. J'aime beaucoup les oracles d'Armel Berger et j'aime beaucoup les illustrations des illustratrices qu'elle choisit, parce que en fait elle travaille avec deux illustratrices différentes selon les oracles et je les aime bien toutes les deux. C'est le même style d'illustration et c'est quelque chose qui me plaît. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le petit livret d'accompagnement. Je pense qu'on peut acheter l'oracle seul, mais je ne pourrais vous le dire trop parce que je les ai achetés d'occasion et que le petit livret était avec. Donc on va peut-être regarder. Il est assez simple, hein. Vous avez le sommaire, en fait c'est juste les cartes, hein. Vous n'avez rien d'autre. Mais vous avez le titre de la carte, vous avez une petite phrase clé, on va dire, vous avez les mots clés, et puis vous avez tout un message de la carte. Donc c'est quand même intéressant à avoir, je trouve. Il me semble que j'avais été voir sur le site. Je crois que le petit bouquin, il faut l'acheter séparément. J'avais été voir avant de l'acheter d'occasion pour voir si le prix était intéressant, puisque je n'avais pas encore été voir le prix en fait. Et alors ce que je voulais vous dire, je voulais vous montrer en fait tous les oracles. Donc les mystérieuses vibrations des éléments, je vous en ai fait la review. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez la trouver sur ma chaîne. D'autant que moi, j'ai acheté le bouquin qui va avec et qui, là, n'est pas un petit livret, mais un gros bouquin conséquent. Relation d'âme à âme, je ne vous l'ai pas encore présenté parce que je dois acheter le livret qui doit ressembler plus à celui-là et que je ne l'ai pas encore fait. Donc, j'ai acheté l'oracle d'occasion, mais il n'y avait pas le livret. Et je pense que ça va valoir vraiment le coup d'avoir le livret. Et donc, j'attends d'avoir l'occasion d'acheter le livret. Et je vous ferai la présentation quand je l'aurai. Et là, j'ai découvert qu'elle n'allait pas s'arrêter à l'éclosion printanière. Donc, je vous ai parlé de la douceur hivernale. Elle va aussi faire la joie estivale et la sagesse automnale. Et je pense que pour le coup, cela, je me les prendrai. J'ai résisté à prendre des tarots vraiment saisonniers, puisque Destiny, que j'aime beaucoup, a sorti des tarots saisonniers. Mais finalement, je ne les ai pas pris. J'ai cru un moment que j'allais les prendre. Et puis finalement, je ne les ai pas pris parce que je n'étais pas sûre que j'allais les utiliser, parce que j'aime beaucoup Destiny. Il fait des choses très différentes. Et ce sur les saisons, ce n'est pas mon graphisme préféré. Donc finalement, je ne les ai pas pris. Mais ici, je trouve que les oracles, ils ont vraiment quelque chose d'intéressant. Alors que finalement, dans les tarots, vu que c'est plus universel un tarot, eh bien, je trouve que n'importe quel tarot déjà peut aller pour n'importe quelle saison.
Après, c'est vrai qu'il y a des tarots qui correspondent plus au printemps, à l'hiver, et ça peut m'arriver, hein. Attention, hein. C'est pas le souci, hein. Mais ici, au niveau des oracles, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et puis donc vous avez hein, ça pour toutes les cartes, hein, ce que je vous ai montré. Voilà, vous l'avez, et donc vous avez la petite carte en couleur. Bon, c'est un peu décousu, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas pourtant déconcentrée. Bon. Alors, les cartes arrivent dans une petite boîte comme ça, cartonnée. Donc, voilà. Après, elles sont relativement solides. Voilà. Oh là là. Elles ne veulent pas toutes venir parce que la boîte est relative, un petit peu plastifiée. Oh, je cherche mes mots. Donc, dans une boîte un petit peu plastifiée et donc relativement solide. Voilà, il est au prix de 24 euros. Et oui, voilà, c'est ça. J'ai vu passer la carte là. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livret parce que vous pouvez le télécharger en PDF si vous n'achetez que l'oracle. Vous avez le QR code. Et vous pouvez le télécharger. Évidemment, pour ceux qui n'aiment pas de l'avoir en PDF et qui ne veulent pas l'imprimer, eh bien alors, à ce moment-là, il vous faut acheter le petit livret. Mais finalement, moi, je suis ravie de l'avoir parce que les PDF, c'est bien. Mais franchement, pour tirer les cartes, j'aime pas. Parce que c'est souvent un moment où je me déconnecte totalement, justement, de mon téléphone, de ma tablette, de tout ça. Et si je dois le sortir pour avoir la signification des cartes, ça me gêne un peu. Je peux le mettre en mode ne pas déranger, hein. Je le fais quand je tourne les vidéos, parce que sinon, de toute façon, je suis trop déconcentrée par les messages, les notifications qui arrivent. Donc, je pourrais être tranquille. Mais je ne sais pas. C'est un moment où j'aime bien être totalement déconnectée du virtuel parce que je suis beaucoup plus du coup vraiment connectée aux énergies. Quand je n'ai pas mon téléphone à côté de moi. Donc voici le dos, très printanier. Et on va regarder les cartes. Alors, les cartes, elles sont toujours d'excellente qualité chez eux. Chez Hermel. Chez My Surprising Cards. Parce que ça, c'est ça, le nom de sa maison d'édition. Elles sont glossy. Donc, elles sont plastifiées. Mais voilà, elles sont de très, très bonne qualité. Et moi, ça ne me gêne pas parce que je trouve que ça met les coloris relativement en valeur. Donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore testé, parce que j'en ai testé d'autres. Et puis, je vous le présente comme ça. Donc, je l'ai regardé, mais c'est tout. Donc quelque part, j'en refais une découverte avec vous. Donc nous avons le Narcisse prend un nouveau départ. La Clématite ose déclarer ce que tu ressens et prendre des engagements. La Pâquerette. Fait preuve d'une profonde tendresse. Le bouquet de fleurs garde en tête que les petites attentions signifient beaucoup. La glycine, celle-là, je la trouve magnifique. Prends soin des liens amicaux que tu as tissés. Elle est superbe, celle-ci, je trouve. J'adore la glycine, de toute façon. Alors, la saison des amours. Accueille et rayonne l'amour sous toutes ses formes. Les pétales trouvent l'inspiration en contemplant la nature. Elle est très très belle. J'aime beaucoup les coloris. J'aime bien ce style avec un arrière-plan un peu flouté comme ça, puis le personnage qui se détache. Et vous voyez avec le jeu de lumière là, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup. C'est un style qui me plaît bien. Le Daphné entre dans une dynamique de séduction.
Le poisson d'avril relativise et prend les choses avec humour. Alors, j'aime bien aussi ces oracles-là. Celui de la douceur hivernale, c'est un peu la même chose parce que ça utilise vraiment le symbolisme de la saison pour nous faire des cartes avec des significations en lien et je trouve que c'est bien fait. J'aime bien la façon dont elle le fait. Alors, le muguet met en place une nouvelle routine pour te créer une vie remplie de bonheur. Les œufs colorés célèbrent la fertilité et accueillent l'abondance. L'équinacée, libère-toi de tes blocages pour que tes capacités puissent se révéler. Elle est très belle aussi celle-là. L'impulsion créative laisse la créativité s'exprimer sur tout support. Elle est magnifique aussi celle-là, je trouve. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien. Le myosotis, remémore-toi les moments qui ont compté. C'est un style assez moderne et je n'aime pas tous les styles modernes, mais celui-là, il me plaît bien. Le langage des fleurs, tourne-toi vers une façon originale et poétique de passer les messages. C'est intéressant. Le forsythia, ouvre-toi à la prospérité et à la richesse matérielle. Elle est magnifique. Avec cette explosion de forsythia derrière, là, je la trouve tellement belle. Le magnolia cultive le respect et la loyauté. L'hirondelle perçoit les heureux présages et accueille les bonnes nouvelles. Pourtant, on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais ici, justement, on vous dit d'y faire attention. J'adore. Le papillon. Ose aller à la rencontre de la meilleure version de toi-même. J'aime vraiment bien. Bon, après, on en parlait avec Bluebird, avec Annabelle de la chaîne Bluebird. La meilleure version de soi-même, c'est parfois un peu lourd, hein. Mais disons que moi, je transforme ça. Si j'ai ce message-là, je pourrais le transformer justement en me disant, ose te transformer vers ce qui te fait envie, vers ce que tu as envie d'être. Ensuite, l'anémone garde espoir pour attirer des jours meilleurs. Les bourgeons protègent ce que tu as mis en place et poursuis tes efforts. La jacinthe connecte-toi à la joie que procure l'amour. Alors, un mot d'olivier cultive la paix en toi et autour de toi. Elle est très belle. J'aime vraiment bien. La tulipe partage tes sentiments avec sincérité. Bon, ça manque peut-être un peu de masculin, j'avoue. Les chocolats savoureux, accorde-toi des moments gourmands pour mettre tes sens en éveil. Le rhododendron, prête attention à ce qui t'entoure et reste sur tes gardes. La coccinelle, crois en ta chance et attire à toi les meilleures opportunités. Avec la petite coccinelle sur le nez. Et puis il y en a une sur l'épaule aussi. Ensuite, le pollen. Observe les réactions de ton corps pour mieux le préserver. C'est quand même bien pensé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le gerbera partage et transmet une énergie de joie. Et le ménage de printemps remet de l'ordre et réorganise ton quotidien. Voilà pour la présentation de l'oracle de l'éclosion printanière. Donc, il y a vraiment un beau petit jeu que j'aime beaucoup et que je ne regrette pas d'avoir pris. Et je pense que là, pour le coup, je me prendrai toute la série.
Donc pour l'été et puis pour l'automne aussi, je pense. Bon, pour l'automne, j'ai quand même pas mal de jeux parce qu'avec la saison d'Halloween, j'ai quand même pas mal de jeux qui sont pas typiquement Halloween, mais qui sont plus sombres, qui sont très witchy, tout ça. Mais je pense quand même que je me le prendrai parce que, comme vous pouvez le voir, ce sont des oracles très doux. Et ce sont de bons petits oracles pour une carte du jour, ce sont des bons petits oracles pour la carte conseil dans les tirages. Donc ils ont pas mal d'utilisations possibles et moi j'aime bien. Franchement, je les trouve bien faits, ils sont de bonne qualité, ils sont à un prix abordable puisque c'est de l'auto-édition, hein. Voilà, c'est une petite maison d'édition, mais... C'est de l'auto-édition en fait parce qu'elle a édité plusieurs jeux, mais c'est la propre maison d'édition d'Armel Berger. Donc voilà, moi je l'aime bien, franchement je le trouve chouette, je les trouve chouettes. Peut-être que quand j'aurai les quatre, je vous referai une présentation des quatre ensemble. On regardera un petit peu les ressemblances, les similitudes. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.